Bonjour Cynthia, c'est une bonne question. Pourquoi j'ai choisi Valence? Tout simplement parce que ça faisait longtemps qu'on était installé à Marseille sur le site des plages du Prado, un site merveilleux. Et à la fois, le beach soccer doit se développer un peu partout en France. Et je pensais que pour cette année, il fallait qu'on aille un petit peu dans les terres. La ville de Valence est une ville dynamique. Beaucoup d'actions dans le domaine du sport mais aussi de la culture, et voilà, et aussi parce que les infrastructures avec Valence Plage et un stade de beach sport, beach soccer mais aussi beach handball ou beach volley, etc. S'y prêtait parfaitement. On avait l'espace pour construire un stade de 2500 places, on le voit ici, donc tout était réuni pour faire un bel événement, et aussi parce que c'est la seule étape française. C'est un sport qui reste accessible à tous. Pas besoin d'acheter une paire de baskets à 150 euros, ça se joue à pieds nus. Ça se joue à 5 contre 5, 4 joueurs de champ, un gardien de but, 3 périodes de 12 minutes. Ah, y a aussi, ça joue entre les tiers-temps avec la musique, un peu comme les sports US, on va dire. Il y a vraiment un beau spectacle. Et donc, on continue à développer, à travailler et à rien laisser au hasard, quoi, en fait. Incontestablement, notre victoire à la Coupe du Monde à Rio. Première Coupe du Monde FIFA, la France on la remporte. C'est un souvenir inoubliable, même en suspense, parce qu'on mène 3-1 à 1 minute 20 de la fin, devant 12 000 personnes à Copacabana. Et on se fait rejoindre par le Portugal, 3-2, 1 minute 20, puis il reste 8 secondes de jeu, 3-3. Et une prolongation, parce que beach soccer c'est un extra time de 3 minutes, unique. Le score reste à 3-3 et puis il y a le pénalty. Alors le pénalty au beach soccer, c'est un pénalty en or. Celui qui manque, il l'a perdu. Et ce souvenir, c'est Thierry Otavi, quand mon frère Eric, sélectionneur, mais aussi joueur, lui dit, écoute, Thierry Otavi, c'est un Corse qui a l'habitude de jouer un petit peu au jeu. Il aime bien au casino ou la loterie. Et il lui dit, tu es un joueur de... T'aimes bien jouer, toi, t'es un joueur de casino. Et il lui dit, oui. Et bien il dit, tu vas tirer le premier. Il marque au milieu du but. Et la star du Portugal, Alan, s'élance et transversal. Et on devient champion du monde. Voilà. C'est un très 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 grand souvenir. Et on restera à jamais la première nation à avoir gagné la Coupe du Monde FIFA.